arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Il y a que le super pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour le défi de l'accélération. Les gars, je suis déjà en 6-0. Je vais vous présenter un petit deck qui marche très très bien. Avant que les vidéos commencent, les gars, n'hésitez pas à vous abonner car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Et n'oubliez pas le pouce bleu car beaucoup de personnes l'oublient aussi. Et puis voilà, ça me soutient de ouf. Donc, on va se prendre ce petit deck E-Giant. Le deck est juste genre trop fort. Déjà, excusez-moi si des fois, genre quand je parle, c'est un peu bizarre, c'est. Je suis un peu mal à lui. Hop, c'est pas grave. En vrai, là, on a juste un tempo. L'élixir x2, donc dans 40 secondes. Pour l'instant, on joue tranquille. Un petit bomber fond de map, tranquille. Hop. Ok, on va mettre un petit Dark Prince. Dans le plus grand des calmes. Ok, ménage mes squelettes. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. On va essayer de garder le shield du Dark Prince, qui peut être pas mal. Ça peut être chiant quand la musquette est utilisée. Le sorcier de glace qui va se faire déboîter par le Dark Prince, donc ça, c'est pas mal. Là, on force avec une mamie. Hop. Ah, bah yes. Je vais faire ce petit cochon du le dragon, mais c'est pas grave. On a un petit cochon du chevalier, ça me convient. Là, je vais aller tornade. Hop. Ah, nickel. On va se faire spawn deux cochons. Pas mal. C'est pas mal. Là, on est plutôt Gucci. Vous voyez qu'on a déjà mis très très cher. Hein. Donc, on va essayer 3 couronnes pour le poste de combat, évidemment. D'ailleurs, les gars, c'est dans le mois qui va arriver, je vais faire une grosse vidéo. Je vous colle pas plus. Ça va être juste incroyable. On a une free food. Ok. What the fuck, c'est quoi ça? Wesh, il a fui ou quoi? Ouais, la drogue, c'est pas bien. Hein. Nickel, ça fait spawn des cochons, ça va faire spawn un cochon. La bûche miroir ne suffira pas, on pourrait aller prendre déjà cette tour. Nous ne sommes même pas encore en élixir x3. Et ça, c'est beau. Donc là, il y a un ballon. Il va sûrement mettre un autre ballon. Non. Allons, clone, d'accord. Ça, c'est apparemment son combo fétiche, hein, ballon clone. Sauf que là, comment il va défendre ça? Hop, on fait spawn des cochons. Là, on a juste à spam, hein, la vérité, on a juste à spam. Et vous voyez que le 3 couronnes est juste assuré, hein, vraiment, c'est trop facile avec les gems. Là, j'ai juste à tout spam, hop. Bon, là, frère, tu casses les couilles, là, frère, mais laisse-moi 3 couronnes. Ah, le casse-burne. Après, les gars, une petite technique. Si lui veut vraiment pas lui laisser 3 couronnes, vous lui laissez le tour, comme ça, au moins, il est content, le frérot. Hop. Mais bon, voilà, il a rage kit. Le mec, il s'est battu comme un chat pour défendre mon push d'avant, pour rage kit le push d'après. Why not, hein. Chacun son délire, hein. Bon, tant mieux. Petite free win, allez, 10 petits Dark Prince. On a un petit palier. Hop, parfait. Allez, c'est parti, prochaine game contre Tom. Hop. Ok, c'est parti, bonne chance mon frérot. Ok, on va aller créer tour du roi. Hop. Nexion x1 en général on défend. En Nexion x2 et x3 normalement on a l'avantage sur je dirais 99% des decks. Hop, le tempo, ok, là une free mamie, on va aller la prendre. Dommage. Ouais c'est bien, 3 petits cochons plus un gobelin, c'est pas mal. Ok. Le gobelin qui va les mettre de très très bons dégâts ici. Hein. Là, vous mettez un petit bomber. Plus une petite tornade ici. On va juste aller assumer un petit coup. Parfait, le bomber là qui vient de faire le taf. Et on va pouvoir commencer la partie électro-géant dans le fond du terrain dès que nous sommes à 10. Ah yes. Ah yes, let's go ça.
Ah ouais, ça va être relou ça. Ah non mais là frère, tu casses les couilles. Naomi qui fait le taf hein, sur ce coup là. Naomi qui vient de killer avant de faire le taf. On a un deuxième électrogène s'il y a besoin. Est-ce qu'il va racheter la game? Bien sûr qu'il va racheter la game. Et on va aller prendre un autre 3 courant de vehicle. Ah non, il racheter pas la game, merde. Oula, attendez. Je vais peut-être avancer un tout petit peu vite. Ok, non, c'est bon. On va aller quand même prendre un 3 courant. On peut laisser une couronne, c'est pas grave. Dans tous les cas, le plus important c'est de prendre 3 couronnes pour farmer le pass encore une fois. Le pass qui est important à farm, et là on a la foot pour les terminer, qui fait 317. Et on va pas le terminer cette tour. Hop, on met juste une petite cage goblin, une tornade et c'est Gucci. Petit 3 couronnes des familles encore une fois, donc ça c'est plutôt cool. Hop. Ok, parfait. Allez, on a encore un petit palier. Si on est bon, on pourra pas. Non, en deux games, c'est pas possible. Hop. Ok, c'est parti contre Eduardo. Notre petit frérot Eduardo. Ok, bon. Voilà, pas la meilleure main de départ pour commencer. Après ça, on a le bébé dragon. On va pouvoir cycler fond de terrain. Moi, personnellement, je pense que je vais attendre une fois 2. Là, ça me sert à rien de jouer. Donc, il joue. On va jouer aussi. On attend un petit peu. Ok, il met une boule de feu en même pour mettre le petit Dark Prince ici. Ok, parfait. Peut-être le Dark Prince si je... Bah nickel. Si je pouvais amener quelque chose sur le Dark Prince, ça aurait pu être pas mal. Bah nickel. Petit archer contu, ça nous évitera de le défendre après. Prendre des coups inutilement. Bah ça c'est chiant. Ok, c'est bon, on a bien défendu. Un petit peu en détresse, mais tout va bien, 6 pour 6. Et là, on a l'électrogéant. C'est parti, on parie Jalen dans le fond du terrain. Ok, un petit ballon. Je pense qu'on va assumer deux coups. C'est pas grave si on assume deux petits coups, c'est rien de trop dramatique. Hop. Oh, on a mis qu'un, on en prend qu'un, ça c'est pas mal. On va garder la foudre, évidemment. Oh, il y a pas besoin, je pense que je vais mettre Dark Prince plus Bombard, ça va faire le taf. Et qu'il a un prince, j'avais oublié. Moi, il est avec les barbares d'élite qui peuvent être chiants. Ouais, il a NK aussi. Ouais, le 3 couronnes va être compliqué à aller chercher sur cette game, je pense. Ouais, le problème, c'est sa boule de feu pour mon ami. L'ami qui peut faire de la value. Ouais, c'est va se faire enculer un peu. Hop. Ok, on repart et 3 jeux en fond de terrain. Là on arrive en x3, donc là on va pouvoir mettre un gros push. Bon, cette fois-ci, faut pas déconner, on va pas assumer tes coups non plus tout le temps. Là j'ai un mec qui met une petite boule de feu maintenant. Ok, là on a une free food, on va aller la prendre. Parfait, la faute qui était gratos. Il faut mettre un deuxième électro-géant. Hop. Là, ce qui est l'avantage du double bomber, c'est que le mec est budget le boule de feu parce que s'il met des barbares d'élite, il va se faire automatiquement déglinguer. Et je pense qu'on va peut-être aller prendre un 3 courante contre, contre Eduardo. Allez, pour remettre un agent d'ici peu. Allez, on va laisser la tour. C'est ce que je vous disais. Alors, pour pouvoir prendre un 3 couronne, n'hésitez pas à laisser la tour. Pour 3 coins tout simplement. Hop. Et c'est le GG. Vous voyez quoi, même Barbadit MK Prince, on peut aller 3 couronnes et on peut aller gagner des games. Ah bah lui il avait déjà récupéré les emotes. Non, on va aller la récupérer tout de suite. Hop. Petite emote. Hop. Attendez. Ok, on va aller enlever cette emote. Là j'aimerais faire un petit deck d'emote là parce qu'il est pas fou. Allez, surtout dans la prochaine game. Bon bah en fait j'ai pas fait autre chose, ça sert strictement rien. Ça sert strictement rien, ça. Vas-y, carré. Bon, encore une fois, là, on bat tempo.
Yes. Le mec qui se fait déglinguer, génial. Ok, bah, étant pour encore une fois, les gars, IGN ne peut pas faire celui-là. Hein. C'est vraiment inutile. Comme ça, on a fait l'accélération, ça va être tranquille pour aller pour les mettre des gros push IGN. Vous pouvez tempo. Ok, mais une Valkyrie, tant mieux, comme ça au moins. Le gobelin qui passe devant, qui a permis d'aller dépeupler la Valkyrie. Peut-être la Valkyrie qui va mourir avant de... Non, ok. Ok, au moins, un petit Dark Prince. Ça, c'est chiant, ça. Ok, let's go. Ok, un fourri giant là. Hop. Petit giant dans le fond du terrain. Ok, mais je fais gobelin, on peut mettre la mamie sorcière ici. Hop. Enfin, on a deux petits cochons. Ok, on a un petit Dark Prince. Bomber. On a la tornade pour tout ramener. Et ben là, on a juste à spam, écoutez. Ok, on va pas spam parce qu'il y a le mini PK. Je vais essayer de construire un push. Est-ce que le mini PK pourrait vite mourir? Ok, bon. On met Vision devant. Et là, on va arriver en x3. Et là, ça va commencer à devenir intéressant, les games. Enfin, les push. Hop. Prochain push, les gars. Quand le x3 va arriver, ça va être... Dommage, le Dark Prince, il passe devant. Encore du ballon, décidément. Le ballon qui est extrêmement joué. Ok, alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. Et peut-être simplement remettre un giant. Ouais, je pense que le 3 couronnes va être impossible. Hein. Le mec a l'air décidé pour pas se faire 3 couronnes. Ouais, son mini PK qui fait trop de value. Ça va être compliqué, 3 couronnes. Hop, bon, c'est pas grave. Au moins, bon, là, je fais pas 3 couronnes, donc j'ai préféré ne pas laisser de tour, parce que si je laisse une tour avec un ballon mid, ça peut aller très très vite. Si je mets un gros push, j'ai pu c'est des legs. Hop. Donc bon, voilà, on prend la game, on va dire, par sûreté. Vous voyez que le deck est quand même très très solide, hein, pour le coup. Donc on va récupérer ces 3000 d'or. Ouais, ils ont fait 40 victoires, jamais dans l'abus. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'était vrai, cool. Ciao, ciao.